Aujourd'hui, nous allons fabriquer un gadget qui est très 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 utile lorsque l'on veut faire des modifications sur les carburateurs de sa moto. Ce gadget va nous permettre de faire rouler la moto sans avoir la tank à gaz dessus, ce qui va nous donner un accès au carburateur directement. Si vous voulez les synchroniser, si vous voulez juste faire 2-3 tests, après ça, enlever les carburateurs pour venir ajuster les jets. Donc ça va être super pratique pour faire des travaux sur les carburateurs. Je vais faire deux versions pour ce magnifique projet. Je vais faire la version vraiment clean pour les gens qui sont équipés en soudeuse et puis en trucs pour travailler le métal. Donc je vais faire ça à partir de ce tube-là d'environ 1 pouce et demi par 1 pouce et demi par 20 cm de long. Donc c'est pas beaucoup d'essence, mais de toute façon ça sert à rien d'avoir beaucoup d'essence parce que la moto vous allez pas la faire rouler très longtemps. Puis avoir un petit réservoir, ça permet aussi de faire ça assez léger, fait que vous pouvez l'accrocher sur à peu près n'importe quel support qui est à peu près solide. Et aussi c'est beaucoup moins dangereux si vous l'accrochez et puis que ça vient à renverser, c'est une petite quantité d'essence, donc c'est beaucoup moins dangereux. Ça c'est la plaque qui va servir de fond. On va voir que évidemment je viens de la rendre vraiment très belle pour pouvoir souder parce que sinon ça soudera pas. Donc c'est vraiment que de la récupération.
Maintenant, passons à la méthode cheap, pauvre, vraiment vite fait. Vous prenez une bouteille de plastique, vous prenez une mèche de la même grosseur que votre tuyau. Alors, un petit peu plus petite. Et voilà. Bon, on va faire un petit test quand même. On va mettre un crochet dessus. Moi, puisque j'ai ça sous la main, ben, je vais prendre un rouleau de duct tape. Sinon, vous pouvez toujours prendre un cintre. La partie du crochet, vous pouvez prendre ça. Prendre du tape, accrocher ça dessus. Comme ça. Ah, je vous ai dit, c'est la méthode de pauvre, hein? Cool. C'est dégueulasse. Oh mon dieu, j'ai jamais fait un projet aussi dégueulasse. Et voilà! Un saluté à moto de pauvre. Bon, ça, vous pouvez venir accrocher ça aussi si vous voulez. Hein? Il y a un crochet ici, par exemple. Tabarouette, avez-vous vu? Oups, je pense que vous avez pas vu, non? Et voilà, là, vous avez vu. Hey, hein? Bon, on va l'essayer avec de l'eau. Pas besoin de le remplir au complet, par exemple. Et voilà. Après ça, on prend le bouchon, on resserre par-dessus, et voilà! Ça ne fuit pas, je ne crois pas, non, ça n'a pas l'air de fuir. Et voilà, ah ben voilà! Regardez-moi ça! C'est-tu pas beau, hein? Mon soluté fonctionne parfaitement bien. Si je le bouche, il arrête évidemment. Aucune fuite apparente. Quelque chose que j'avais pas prévu avec celui-là, c'est que ben, ça se vide beaucoup moins vite. Regardez, comme là, il est, à cause de la capillarité, ça se vide pas du tout à cause qu'il n'y a pas de prise d'air. Donc, si vous voyez que la moto commence à avoir de la misère, vous pouvez venir donner un petit coup pour que ça sorte. Ou bien, à la limite, faire un petit trou avec un exacto pour qu'il y ait de l'air qui se rentre pour que la moto puisse avoir assez d'essence. Je viens de penser que je n'ai pas testé mon super soluté en métal. Lui, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'il a une valve, donc... Et voilà, ça coule. Ta barouette, elle coule beaucoup mieux que l'autre. Regardez-moi ce couler. Ouais, donc c'est très bien. Il est plus pratique, il a une valve, il est plus beau, il est plus solide. Donc, c'est lui que je recommande, évidemment, mais c'est plus long à faire. Et voilà, vous avez deux techniques. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, mettez un like, abonnez-vous. Je vais m'en servir sûrement sur ma moto pour tuner les carburateurs. Je vais faire une vidéo pour vous dire comment tuner les carburateurs si vous mettez des filtres à air custom, des petits pods filter, et si vous voulez aussi mettre un exhaust custom. C'est à ça que ça va servir. Ça sert à faire rouler la moto sans avoir la tank à gaz dessus. Parce que ça devient vite long quand on veut faire des tests, de mettre la tank à gaz, faire 2-3 tests, enlever la tank à gaz, c'est pesant, fait que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un petit système comme ça. Au revoir!